Pocardi vient de prendre ça à pour nom Johanet. Johanet appartient à la bande de Favre Maya. Il porte une cocarde et deux glands primés 90 euros chacun. Johanet est marqué du numéro 507. Il est âgé de 9 ans. Restaurant le Saint-Pierre, port de pêche au Gros du Roi, 2 euros de plus à la cocarde. Non. Pépinière Ruiz à Saint-Aunès, 2 euros de plus. Restaurant le Palingre, spécialité de poisson, rive droite au Gros du Roi, 2 euros de plus. Rivera, fruits et légumes, avenue de Camargue au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et monsieur Robert Coste, maire du Gros du Roi, président de la communauté des communes, porte la cocarde à 100 euros. Restaurant Lancier, cuisine traditionnelle, spécialité dans la viande de taureau AOP Camargue, 2 euros de plus. Restaurant La Fleur de Sel à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Le premier gang à 90 euros pour l'ordinateur Lucas Lopez, le deuxième gang à 90 euros pour l'ordinateur Emmanuel Catrasena. Philippe Blatière, conseiller municipal, 2 euros de plus. La Fédération française de la course camarguaise et son président Nicolas Triol, 2 euros de plus. Et monsieur Lucien Topi, adjoint aux traditions taurines de la ville du Gros du Roi, porte la cocarde à 110 euros. Où les crêpes à l'intérieur des arènes et sa nouveauté de hot dog et chichi, 2 euros de plus. La marinière française, partenaire des arènes, 2 euros de plus. La cocarde, à 114 euros pour le réalisateur Jérémy Siakini. Flamenco, route de Mestiquette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Dans l'œil, oh, on est près de l'œil.
Faucardier qui est un trampiste à pronom préfet. Il appartient à la manade Cyr. Préfet porte une cocarde et deux glands primés 90 euros chacun. Préfet est marqué du numéro 210, il est âgé de 12 ans. Mamelin et cuisine du littoral, route de Nîmes à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Le casino Flamingo, route de Franchamp, 2 euros de plus. Le Bamboo Beach, la plage privée par un restaurant, 2 euros de plus. Éric Torré-Mochard, agent général d'assurance au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et le Ciguarium du Gros du Roi porte la cocarde à 100 euros. Le Pomigrain à 90 euros pour le raseteur Lucas Lopez. La coupe de la cocarde à 100 euros pour le raseteur Nordine Elgiati. Masse de la comtesse organisateur de spectacle Camargue à Aigues-Mortes, 2 euros. Super U, le Gros du Roi, ouvert toute la journée avec son drive et son U technologie, 2 euros de plus. Chocolatier, pâtissier, boulanger, centre commercial Port-Royal, 2 euros de plus. McDonald's, route de l'Espiguette, au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et monsieur Lucien Topi, adjoint aux traditions taurines du Gros du Roi, porte la cocarde à 110 euros. De plus. Le trophée Torel Midi Libre, la Provence, 2 euros de plus. Restaurant La Table d'Anaé, 2 euros de plus. Le bar des pêcheurs chez Eric et Valérie, port de pêche au Gros du Roi, 2 euros de plus. Concept événement, sonorisateur des arènes, porte la cocarde à 120 euros. Le Big Mat, son activité, mon plaisir au Gros du Roi, 2 euros de plus. Restaurant Le Divin à Aigues-Mortes, ouvert midi et soir toute l'année, 2 euros de plus. Pour le raseteur Jérémy Siatini. Dune Vin des Sables de Camargue, 2 euros de plus. Il a cassé les couilles à taper tout le temps, lui, là-haut. Le Spinnaker, hôtel, restaurant, 2 euros de plus. Le cryptorène du Vieux Phare au Gros du Roi, 2 euros de plus. Bernard Janon, agence Generali à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Et la compagnie des notaires du Gard porte la deuxième main à 100 euros. Il est levé par le raseteur Jérôme Martin.
90 euros à la première ficelle. Restaurant L'Ancre, avenue de la gare au Sandrine et Julien, vous accueille pour une pause gourmande, 2 euros de plus. La maison du riz entre Arles et les Sept-Maries de la Mer, 2 euros de plus. Contrôle technique d'écras, Zach Delarnay, la Sommière, 2 euros de plus. La guinguette des pieds nus, plage du Boucanier, ouverte toute l'année, 2 euros de plus. Le restaurant Quai 4-4, pizzeria spécialité italienne, droite au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et Isabelle Valérien, opting home immobilier au Gros du Roi, porte la première ficelle à 100 euros. De la part de la conciergerie de Margot, 2 euros de plus. La caisse d'épargne de Sommière, 2 euros de plus. Bon les gars, entendez-vous, on va pas commencer. Côté fiche, poisson de Méditerranée, d'exception, direct des pêcheurs du Gros du Roi, à 2 euros de plus. Boisson à Montpellier, 2 euros de plus. Le bar Léon chez Anaïs et Corentin porte la première ficelle à 110 euros. Chez Yves Ludo, poissonnerie à 2 euros de plus. La première ficelle à 110 euros pour le rasoteur Dorian Fri. €90 à la seconde ficelle. Azuréva, village vacances, route de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Votre notaire de la compagnie des notaires du Gard qui est dans la course, 2 euros de plus. La carrosserie Bilincioni, en route du Gros du Roi à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Garage Simon Arnaud, Peugeot Citroën Fiat Opel à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Et monsieur Lucien Topi, adjoint au traditionnel Taurine, porte la deuxième ficelle à 100 euros. Restaurant chez Papé Frézal, cuisine de la mer, place du marché au Gros du Roi, 2 euros de plus. Pinirama, hôtel, restaurant, avenue Frédéric Mistral au Gros du Roi, 2 euros de plus. La cave de Clémence, vin spiritueux à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Le bistrot du port à Port-Camargue, 2 euros de plus. Chaud à Saint-Désiré porte la deuxième ficelle à 110 euros. Pizzeria Mama Pizza à côté des arènes qui vous attend à appeler la course à 2 euros de plus. Pour la part d'Arôme et Délix, 2 euros de plus. Un restaurant Le Dauphin, spécialité de la mer, quai du Général de Gaulle au Gros du Roi, 2 euros de plus. Denis Labrousse, numéro 1 du Safari Camargue, 2 euros de plus. Et le restaurant Le Timgad porte la deuxième ficelle à 120 euros. De la part de la jeune Lens Grolène, 2 euros de plus. Le Torrent du Pédescao du Gros du Roi, 2 euros de plus. Restaurant La Cachette de Manet, qui est Général de Gaulle au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le Dune Club, deuxième. Club de France à la Grande Motte, 2 euros de plus. Le catamaran Providence au Gros du Roi, promenade et pêche à mer, 2 euros de plus.
le glacier catalan, le Redares au Gros du Roi, porte la deuxième essai à 130 euros. La Muscade a fait une bonne route de l'Institut au Gros du Roi, 2 euros de plus. Les établissements Rivas, menuiserie, agencement au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le camping de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Les sympathiques serveuses de la Buvette, 2 euros de plus. Les arènes du Gros du Roi, qui vous attendent dimanche pour sa grande finale du Trophée de la Mer, portent la deuxième ficelle à 50 euros. Restaurant Le Mazé sous les platanes à Aimargues, 2 euros de plus. Cabaret équestre flamenco, route de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Jet 3, location de jet ski contournant au Gros du Roi, 2 euros de plus. La cabane du pêcheur chez Zab, du sauvage au Sainte-Marie de la Mer, 2 euros de plus. Up Media concepteur de bâche publicitaire, 2 euros de plus. Et monsieur Robert Coste, maire du Gros du Roi, président de la communauté des communes Terre de Camargue, porte la deuxième ficelle à 150 euros. Salomé Espelli, ostéopathe de chevaux et taureaux, 2 euros de plus. La feria de Palavas du 20 au 22 septembre, avec son abrivage des plages et sa grande course au Trophée des As, 2 euros de plus. La pépinière Ruiz à Saint-Thomas, 2 euros de plus. Restaurant Le Sept-Pierre, port de pêche au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et monsieur Lucien Topi, adjoint aux traditions taurines du Gros du Roi, porte la deuxième ficelle à 160 euros. Restaurant Le Saint-Pierre, port de pêche au Gros du Roi, 2 euros de plus. Restaurant Le Palangre, spécialité de poisson, rive droite au Gros du Roi, 2 euros de plus. Restaurant Lancière, cuisine traditionnelle, spécialité de la viande de taureau AOP, 2 euros de plus. Rivera, fruits et légumes, amenés de Camargue au Gros du Roi, 2 euros de plus. De Youssef Zekraoui porte la deuxième ficelle à 150 euros. Le restaurant La Fleur de Sel à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Philippe Blatière, conseiller municipal, 2 euros de plus. La Fédération française de la course camargaise et son président Nicolas Triol, 2 euros de plus. Oh, les crêpes à l'intérieur des arènes et sa nouveauté de chichi et hot dog, 2 euros de plus. Et la marinière française, partenaire des arènes, porte la deuxième ficelle à 180 euros. Le cabaret est plein de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Les arènes de Vauvert qui vous attendent le 29 septembre pour sa grande course au Trophée des As, 2 euros de plus. Meubles et cuisines du littoral, route de Nîmes à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Le casino Flamingo, groupe Tranchant au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et monsieur Robert Frost, maire du Gros du Roi, président de la communauté des communes, porte la deuxième ficelle à 190 euros. Messieurs les raseteurs, dernière minute de course. Thank you.
Le copernier qui entre en piste a pour nom Jacquet. Il appartient à la manada Fanfone Guillaume. Jacquet porte une cocarde et deux glands primés, 90 euros chacun. Il est marqué du numéro 346, il est âgé de 11 ans. De Nîmes à Aigues Mortes, 2 euros de plus à la cocarde. Les arènes du Gros du Roi et sa finale du Trophée de la Mer dimanche avec Joachim Cadena et Zico Katif, 2 euros de plus. Bamboo Beach, plage privée, bar, restaurant, rive droite au Gros du Roi, 2 euros de plus. La coupe de la cocarde à rectification, la cocarde est toujours en place, elle vaut 96 euros. Électro-rémochage, un général d'assurance au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et le Sicorion du Gros du Roi porte la cocarde à 100 euros. Super U, le Gros du Roi, ouvert tous les jours, son drive et son U technologie du lundi au samedi, 2 euros de plus. Et les friands, artisans, boulangers, chocolatiers, pâtissiers, centre commercial, Port-Royal au Gros du Roi, 2 euros de plus. Les arènes de Robert qui vous attendent le 29 septembre pour ce trophée des As, 2 euros de plus. Un McDonald's en route de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Monsieur Lucien Topi, adjoint de tradition taurine du Gros du Roi, porte la cocarde à 110 euros. Restaurant Le Vivier, spécialité de poisson, rive droite au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le trophée taurine Midi Libre à la Provence, 2 euros de plus. Le restaurant La Table d'Arrêt, cuisine locale et méditerranéenne, à côté des arènes, 2 euros de plus. Et le bar des pêcheurs, chez Eric et Valérie au Gros du Roi, porte la cocarde à 120 euros. Big Mat, zone d'activité Mon Plaisir, au Gros du Roi, 2 euros de plus. Restaurant au Petit Bonheur, Frédéric Mistral, au Gros du Roi, 2 euros de plus. La coupe de la cocarde à 100. C'est Youssef Dietraoui qui coupe la cocarde à 100. Elle est encore en diable. Alors Youssef, je crois qu'elle n'est pas coupée. Alors la cocarde est toujours qui passe le mot 124 euros. Elle est 2 euros de plus. Pour vos crédits immobiliers, c'est LFC. Un courtage à Lunel, 2 euros de plus. Et SED Concept Événement, sonorisateur des arènes, porte la cocarde à 130 euros. Restaurant Lente, avenue de la gare, où Sandrine et Julien vous attendent pour une pause gourmande, 2 euros de plus. Le Spinnaker Hôtel Restaurant, 2 euros de plus. Bernard Jeannot, agence Generali, à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Dune, Vin des Sables de Camargue, 2 euros de plus. Et le vieux phare du Gros du Roi porte la cocarde à 140 euros. Des notaires du Gard, 2 euros de plus. La maison du riz entre Arles et les Sept Maries de la Mer, 2 euros de plus. Contrôle technique d'Écrasac de l'Arned, 2 euros de plus. La coupe de la cocarde à 144 euros pour le rasoteur Jérémy Siacchini. La cocarde à 144 euros pour le rasoteur Emeric Assena.
Le premier gagne à 90 euros pour le rasoteur Luta Lopez. La guinguette des pieds nus, plage du Boucanet, ouverte toute l'année, 2 euros de plus. Le deuxième gagne à 92 euros pour le rasoteur Jérémy Aliaga. Restaurant Quai 44, spécialité italienne, arrive droite au Gros du Roi, 2 euros de plus. Isabelle Valérien, hôtel homme au Gros du Roi, 2 euros de plus. La conciergerie de Margot, 2 euros de plus. Côté fiche poisson de la Méditerranée, au Gros du Roi, porte la première ficelle à 100 euros. Montaner Pétrini, poisson à Montpellier, porte la première ficelle à 110 euros. Le Marléon chez Anaïs et Quarantaine, au Gros du Roi, porte la première ficelle à 120 euros. Chez Yves et Ludo, poissonnerie et fruits de mer et Gros du Roi, porte la première ficelle à 130 euros. À Zuleva, à village de vacances, route de l'Espiguette, au Gros du Roi, porte la première ficelle à 140 euros. Votre notaire de la compagnie des notaires du Gard porte la première ficelle à 150 euros. La carrosserie Bidimensioni, route du Gros du Roi et de Morte, 2 euros de plus. Garage Simon Arnaud Peugeot Citroën Fiat Opel, 2 euros de plus. Lucien Topi a joué votre tradition Tourine, 2 euros de plus. Restaurant chez Papé Frézal, 2 euros de plus. Et le château Puéchaud porte la première ficelle à 160 euros. Café Miramar, hôtel restaurant Avenue Frédéric Mistral, 2 euros de plus. La cave de Clémence, vin et spiritueux avec Morte, 2 euros de plus. Arôme et délices, fleuriste au Gros du Roi, 2 euros de plus. Restaurant Le Dauphin, spécialité de la mer, quai du Général de Gaulle au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et le bistrot du port à Port-Camargue apporte la première ficelle à 170 euros. Pizzeria Mama Pizza, côté des arènes, qui vous attend après la course, 2 euros de plus. Denis Labrousse, numéro 1 du Safari Camargue, 2 euros de plus. Restaurant Le Spinga, spécialité de couscous. Aigle Morte, 2 euros de plus. De la part de la jeune Lance Groslaine, 2 euros de plus. Catorin et Pédesca au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et les arènes du Gros du Roi qui vous attendent dimanche pour la finale du Trophée de la Mer avec Zico Katif et Joachim Cadena, 2 euros de plus, qui portent la première ficelle à 180 euros. Le restaurant La Cachette de Mamie, qui est Général de Gaulle au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le Dune Club, deuxième best club de France à la Grande Motte, 2 euros de plus. Le Catamaran de Providence, 2 euros de plus. Et le cabaret équestre flamenco porte la première ficelle à 190 euros. Et Monsieur Robert Coste, maire du Gros du Roi, président de la communauté des communes, porte la première ficelle à 200 euros. Au Gros du Roi, promenade des pêches en mer, 2 euros de plus. L'embuscade paintball, route de l'Espiguette, 2 euros de plus. Le glacier catalan, rue Rédarès, au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le camping de l'Espiguette, 2 euros de plus. Et les établissements Rivas, menuiserie, agencement au Gros du Roi, portent la première ficelle à 210 euros. Monsieur Lucien Topi, adjoint aux traditions de Tourine, porte la deuxième ficelle à 220 euros. Le restaurant Le Mazet sous les platanes et Marne, 2 euros de plus. Le Jet 3, location de jet ski, contournant au Gros du Roi, 2 euros de plus. Les sympathiques filles serveuses de la buvette, 2 euros de plus. La Terre-Mer Immobilier à Saint-Laurent-des-Gouzes, 2 euros de plus. Et la cabane du pêcheur chez ZA au 7 Marie de la Mer porte la première ficelle à 230 euros. Salomé Espelli, ostéopathe de chevaux et taureaux, 2 euros de plus. La feria de Palavas du 20 au 22 septembre, avec son abrivado des plages et sa grande course au Trophée des As, 2 euros de plus. Les arènes du Gros du Roi qui vous attendent dimanche pour la finale du Trophée de la Mer, avec Joachim Cadena et Zico Katif, 2 euros de plus. Thank you.
menuiserie et du cuisine du littoral en route de Nîmes à 2 heures de plus. Et le casino Flamingo groupe Trichat porte la première ficelle à 240 euros. Elle est toujours en place. Bamboo Beach, plage privée, à 2 euros de plus. Et Victor Mouchard, agent général d'assurance Allianz au Gros du Roi, 2 euros de plus. De la part du Siquarium au Gros du Roi, 2 euros de plus. Les gars, il est à gauche là. Les gars, vous n'enlevez pas le taureau. Super Une, Gros du Roi, ouvert tous les jours. Et son drive et sa rue technologie du lundi au samedi, 2 euros de plus. Elle y est toujours. Et le masque de la Comtesse porte la première ficelle à 254 euros. La première ficelle à 254 euros pour le rasoteur Jérôme Martin. Seconde ficelle. Le Siquarium au Gros du Roi porte la seconde ficelle à 100 euros. Les friands, artisans, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, centre commercial Port-Royal au Gros du Roi, 2 euros de plus. McDonald's, route de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Restaurant Le Vivier, spécialité de fruits de mer, rive droite au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et le trophée doré Midi Libre à la Provence porte la deuxième ficelle à 120 euros. Restaurant La Table d'Anaé, cuisine locale et méditerranéenne à côté des arènes, 2 euros de plus. Et le bar des pêcheurs chez Eric et Valérie, port de pêche au Gros du Roi, 2 euros de plus. Restaurant Mon Petit Bonheur, avenue Frédéric Mistral au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et Big Mat, zone activité, Mon Plaisir au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et le restaurant Mon Petit Bonheur, avenue Frédéric Mistral, porte la deuxième ficelle à 130 euros. Restaurant Le Diden, le mort ouvert midi et soir toute l'année, 2 euros de plus. Le Spinnaker, hôtel, restaurant à Port Camargue, 2 euros de plus. Dune, même des sables de Camargue, 2 euros de plus. Le train du vieux phare au Gros du Roi, 2 euros de plus. La compagnie des montagnes du Gard porte la deuxième ficelle à 140 euros. SD Concept, événement sonorisateur des arènes à 2 euros de plus. Restaurant Lanca, avenue de la gare, où Sandrine et Julien vous accueillent pour une pause gourmande à 2 euros de plus. La maison du riz entre Arles et les Sainte-Marie de la Mer, 2 euros de plus. Contrôle technique d'écrase à l'artisanal de l'Arnais de 2 euros de plus. À la dernière minute de course, les arènes du Gros du Roi portent la deuxième ficelle à 154 euros.
Lucifer de la manade Paulet, Artavan de la manade Cavalini, Bohémien de la manade Rouquette, Apollon de la manade Yuki, Adèle Nordine Giatti, Luca Lopez, Emily Cassena, Jérôme Martin, Yacine Isic, Cocardier qui entre en piste pour nom Pérolin. Il appartient à la manade Lottier. Pérolin porte une cocarde et deux glands privés 90 euros chacun. Il est marqué du numéro 330. Il est âgé de 11 ans. Chez Anaïs et Corentin au Gros du Roi, le rendez-vous des aficionados, 2 euros de plus. Chez Yves et Ludo, poissonnerie et fruits de mer au Gros du Roi, 2 euros de plus. La coupe de la cocarde à 94 euros, ah, elle est toujours en place. Château Puechot à Saint-Dreséry, 2 euros de plus. Le premier gag, 90 euros pour le rasoteur Jérémy Aliaga. Le deuxième gag, 90 euros pour le rasoteur Jérémy Siakini. Azureva, village de vacances, route de l'Espiguette, au Gros du Roi, 2 euros de plus. Les garages Simon Arnaud, Peugeot, Opel, porte la cocarde à 100 euros. Carrosserie Billy Lencioni, route du Gros du Roi, à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Café Miramar, hôtel-restaurant avenue Frédéric Mistral, 2 euros de plus. La cave de Clémence, vin et spiritueux à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. La coupe de la cocarde à 106 euros pour le réalisateur Jérémy Giacchini. La cocarde à 106 euros pour le réalisateur Youssef Zekraoui. Un restaurant chez Papé Frézal, cuisine de la mer, place du marché au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le Café Miramar, hôtel restaurant, avenue Frédéric Mistral, 2 euros de plus. Le bistrot du port à Port-Camargue, 2 euros de plus. La cave de Clémence, vin et spiritueux, 2 euros de plus. Lucien Topi a joué mon tradition Torina à 2 euros de plus. Le château Puechot à Saint-Dreséry, 2 euros de plus. Lance Groslin, 2 euros de plus. Pizzeria Mama Pizza à côté des arènes, 2 euros de plus. Et monsieur Robert Poste, maire du Gros du Roi, président de la communauté des communes, porte la première ficelle à 110 euros. Arômes et délices, fleuriste au Gros du Roi, 2 euros de plus. Un restaurant Le Dauphin, spécialité de la mer,
qui est du général de Gaulle au bon du roi, 2 euros de plus. Denis Labrousse, numéro 1 du Safari Camargue, 2 euros de plus. Et le restaurant Le Timgad, spécialité du couscous à aigues mortes, porte la première ficelle à 120 euros. Le Cap Torin, l'IP d'Escao, 2 euros de plus. Allez, le vire. La première ficelle à 120 euros pour le raseteur Dorian Friac. Restaurant La Cachette de Mamie, général de Gaulle, au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le Dune Club de Cannes, Best Club de France, à la Grande Motte, 2 euros de plus. Catamaran Le Providence, au Gros du Roi, promenade et pêche en mer, 2 euros de plus. L'embuscade paintball route de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et le glacier catalan rue Rédarès au Gros du Roi porte la deuxième ficelle à 100 euros. Le camping de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Les établissements Rivas, menuiserie, agencement au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le restaurant Le Vasé sous les platanes à Aimargues, 2 euros de plus. Le cabaret équestre flamenco route de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et la cabane du pêcheur chez Za, Bac du Sauvage au Sainte, porte la deuxième ficelle à 110 euros. Le prochain coup, je vous sors tous les deux. Je vous le dis, j'aime pas ça, hein. Pas ça, je vous le dis, je le connais. Un média, concepteur de bâches publicitaires, anime 2 euros de plus. Un Salomé Espéli, ostéopathe de chevaux et taureaux, 2 euros de plus. La feria de Palavas, du 20 au 22 septembre, avec son abrivado des plages. Et sa grande course au Trophée des As, 2 euros de plus. Les arènes du Gros du Roi, et va dimanche sa finale du Trophée de la Mer avec Zico Katif et Joachim Cadena, 2 euros de plus. Et Lucien Tommy, adjoint en tradition taurine du Gros du Roi, porte la deuxième ficelle à 120 euros. Et les sympathiques serveuses de la buvette, 2 euros de plus, la deuxième ficelle à 122 euros pour le raseteur Émeric Asséna.
Le cocardier qui entre en piste a pour nom Corail. Il appartient à la manœuvre Rouquette. Corail porte une cocarde et deux blancs primés 90 euros chacun. Du numéro 729. Il est âgé de 7 ans. Saint-Pierre, port de pêche au bord du roi, 2 euros de plus. Deux supportrices de Youssef Zekraoui, 2 euros de plus. Les pépinières Ruiz à Saint-Aunès, 2 euros de plus. La coupe de la cocarde à 96 euros pour le raseteur Jérôme Martin. Elle est levée à 96 euros par le raseteur Dorian Friac. Restaurant Lanciero, cuisine traditionnelle, spécialité du taureau AOP Camargue, 2 euros de plus. Ribera, fruits et légumes, avenue de Camargue, 2 euros de plus, le premier gland à 94 euros pour le raseteur Lucas Lopez. Philippe Blatière, conseiller municipal, 2 euros de plus. Restaurant La Fleur de Sel à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. On le laisse partir. La Fédération française de la course camarguaise et son président Nicolas Triol, 2 euros de plus. Et Olé Crêpes à l'intérieur des arènes, avec sa nouveauté de chichi et hot dog, porte le deuxième glan à 100 euros. La marinière française, partenaire des arènes, 2 euros de plus. La Peña del Fuego, qui anime toute la semaine de la fête, 2 euros de plus. Meubles et cuisine du littoral, route de Nîmes, 2 euros de plus. De la part du Siquarium, au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et Super U, le Gros du Roi, ouvert tous les jours, et son revue technologie porte le deuxième glan à 110 euros. Le masque de la comtesse, organisation de soirée camarguaise à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Maintenant, la route de l'Espigette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le profétoire Midi Libre, la Provence, 2 euros de plus.
technique d'Ikra, Zach de l'Arned, 2 euros de plus. Et le restaurant de la table d'Anaé porte le deuxième gagne à 5 euros. Restaurant le quai sec 4-4, pizzeria spécialité italienne à rive droite au Gros du Roi, 2 euros de plus. La maison du rire entre Arles et les Saintes-Maries de la Mer, 2 euros de plus. Restaurant l'Ancre, avenue de la Gare, où Sandrine et Julien vous accueillent pour une pause gourmande, 2 euros de plus. Une veine des sables de Camargue à 2 euros de plus. À 128 euros. Le deuxième gagne pour le rasoteur Jérôme Martin. Des pieds nus, plage du Boucanier, ouvert toute l'année, 2 euros de plus. La caisse d'épargne de Saumière, 2 euros de plus. La conciergerie de Margot, 2 euros de plus. Le cabaret équestre flamenco, route de l'Espiguette, au Gros du Roi, 2 euros de plus. D'une veine des sables de Camargue, 2 euros de plus. Et la compagnie des notaires du Gard qui est dans la course pour la deuxième ficelle à 100 euros. 2 euros de plus. La guinguette des pieds nus, plage du Boucanier, ouvert toute l'année, 2 euros de plus. Le club torrent du vieux phare au Gros du Roi, 2 euros de plus. Un montanaire à Pietrini, boisson à Montpellier, 2 euros de plus. Et la deuxième ficelle à 110 euros. La maison du riz entre Arles et les Saintes-Maries de la Mer, 2 euros de plus. Le château Puechot à Saint-Brézéry, 2 euros de plus. Le bar Léon chez Anaïs et Corentin au Gros du Roi, 2 euros de plus. Chez Yves Hidou, poissonnerie et fruits de mer au Gros du Roi, 2 euros de plus.
Floriste au Gros du Roi porte la deuxième épicelle à Saint-Benro. Azuréva, village vacances, route de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. La carrosserie Bidimensioni, route du Gros du Roi à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Joue aussi pour un Fiat Opel à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Et Lucien Topi a joué mon tradition de Tourine, porte la deuxième ficelle à Saint-Trent-Toro. Le bistrot du port à Port-Cabane, 2 euros de plus. Le restaurant chez Papé Frisan, cuisine de la mer, à place du marché au Gros du Roi, 2 euros de plus. Ma pizza à côté des arènes qui vous attend après la course, 2 euros de plus. Restaurant de la cachette de Mani, qui est général de Gaulle au Gros du Roi, 2 euros de plus. Au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le Dune Club, deuxième best club de France, à la Grande Motte, 2 euros de plus. Et la Muscade, paintball, route de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le glacier catalan, place rue Redarès au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et monsieur Robert Coste, maire du Gros du Roi, porte la deuxième ficelle à 154 euros. Le camping de l'Espiguette, 2 euros de plus. Les arènes du Gros du Roi qui vous attendent dimanche pour sa finale du Trophée de la Mer à Mésicompatrice. Et Joaquim Cadena porte la deuxième ficelle à 154 euros. Messieurs les rasoteurs, dernière minute de course. Cardier qui entre en piste a pour nom Cahier. Il appartient à la manade Laura et Laurent Cavallini. Cahier porte une cocarde et deux glands primés 90 euros chacun. Il est marqué du numéro 328. Il est âgé de 11 ans.
de Youssef Zekraoui, 2 euros de plus à la cocarde. Le restaurant Le Saint-Pierre, port de pêche au Rond du Roi, 2 euros de plus. Pépinière Ruiz à Saint-Tolès, 2 euros de plus. Restaurant Le Palabre, spécialité de poisson, 2 euros de plus. Le premier gang, 90 euros pour le rasoteur Lucas Lopez. La coupe de la cocarde à 98 euros pour le rasoteur Jérémy Siakini. La cocarde à 98 euros pour le rasoteur Youssef Zekraoui. Restaurant L'Anciero, cuisine traditionnelle à 2 euros de plus. Ribera, fruits et légumes sur l'avenue de Camargue au Gros du Roi, 2 euros de plus. Restaurant La Fleur de Sel à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Philippe Blatière, conseiller municipal, 2 euros de plus. Deuxième glane à 98 euros pour le rasoteur Maxime Taïeb. À la première ficelle. La Fédération française de la course camarguaise et son président Nicolas Triol, 2 euros de plus. Au Les Crêpes, à l'intérieur des arènes, avec sa nouveauté de chichi et hot dog, 2 euros de plus. La marinière française, partenaire des arènes, 2 euros de plus. La Peña del Fuego, qui anime toute la fête, 2 euros de plus. Meubles et cuisine du littoral, la route de Nîmes à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Bamboo Beach, 2 euros de plus. Les arènes de Vauvert qui vous attendent le 29 septembre pour sa grande course au Trophée des As, souvenir Robert Fabre, 2 euros de plus. Le match de la Comtesse, organisation de soirée camarguaise à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. McDonald's, route de l'Espiguette, 2 euros de plus. Et monsieur Lucien Topi, adoué en tradition taurine, porte la première ficelle à 110 euros. Elle est levée à 110 euros par Maxime Taïel. Seconde ficelle. Les Friands, artisans boulangers, pâtissiers, chocolatiers,
Centre commercial Port-Royal au Gros du Roi, 2 euros de plus. Restaurant Le Vivier, spécialité de fruits de mer, rive droite au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le Trophée Torel, Midi Libre à la Provence, 2 euros de plus. Restaurant La Table d'Anaé, cuisine locale et méditerranéenne, à côté des arènes du Gros Gros du Roi, 2 euros de plus. Et Monsieur Robert Trost, maire du Gros Gros du Roi, président de la communauté des communes Terre de Camargue, porte la deuxième ficelle à 100 euros. Contrôle technique d'Ecra, zone artisanale de l'Armed à Sommières, 2 euros de plus. Big Mac, zone activité, mon plaisir au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le restaurant Le Divin à Aigues-Mortes, ouvert midi et soir toute l'année, 2 euros de plus. Le restaurant Le Spinnaker, 2 euros de plus. Dune Vin des Sables de Camargue, 2 euros de plus. Le Captorel, le vieux phare du Gros du Roi, 2 euros de plus. La compagnie des notaires du Gard, 2 euros de plus. SD Concept Événement Sonorisateur des Arènes, 2 euros de plus. Restaurant L'Ancre, avenue de la Gare, où Sandrine et Julien vous accueillent pour une pause gourmande, 2 euros de plus. Et le contrôle technique d'Ecra, route Morisco, route nationale 113 à Aigues-Vives, porte la deuxième ficelle à 120 euros. La maison du riz, entre Arles et les Saintes-Maries de la Mer, 2 euros de plus. La guinguette des pieds du plage du Boucanet, ouvert toute l'année, 2 euros de plus. Le restaurant Quai 54, 2 euros de plus. Isabelle Valérien, obtient homme immobilier au Gros du Roi, 2 euros de plus. De la part de la conciergerie de Margot, porte la deuxième ficelle à 130 euros. Côté fiche, poisson de Méditerranée d'exception en direct des pêcheurs, 2 euros de plus. Accroche. Montaner Pietrini, un poisson, attention au marchepied. Camping de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Les arènes du Gros du Roi qui vous attendent dimanche pour la finale du Trophée de la Mer avec Joachim Cadena et Zico Katif, 2 euros de plus. Les deux filles serveuses de la buvette, 2 euros de plus. Et les établissements Rivas, Menuiserie, Agencement portent la deuxième ficelle à 140 euros. Salomé Spelli, ostéopathe de chevaux et taureaux, 2 euros de plus. La deuxième ficelle à 540 euros pour le réalisateur Dorian Friac. Le dernier cocardier de l'après-midi. Il s'agit de Hoffmann de la manade Blatière-Bessac. Il porte une cocarde et deux glands primés à 90 euros chacun. Il est hors point pour le trophée de la mer et pour le trophée des As
Il n'en restera que 10 minutes à piste. Il est marqué du numéro 725. Il est âgé de 7 ans. Je ne sais pas si mon collègue est habité pas sur le... spécialité de poisson, la rive droite au bord du roi, 2 heures de plus. Épinière Ruiz à Saint-Tonès, 2 euros de plus. Restaurant Lancière, cuisine traditionnelle, spécialité de taureau canardé à OP, 2 euros de plus. Restaurant La Fleur de Sel à Aigues-Mortes, 2 euros de plus. Et Robert Croste, maire du Gros du Roi, président de la communauté des communes Terre de Camargue, porte la cocarde à Saint-Moreau. Sur l'avenue de Camargue, au Gros du Roi, 2 euros de plus. Attention à la La marinière française, partenaire des arènes, 2 euros de plus. La fédération française de la course camarguaise et son président Nicolas Triol, 2 euros de plus. La cocarde à 108 euros. Pour le réalisateur Youssef Zekraoui. Même les cuisines du littoral, route de Nîmes et de Morte, 2 euros de plus
au premier clan. Et le menuisier des arènes à 2 euros de plus. Et le casino Paling au groupe Tanchan au gros du roi à 2 euros de plus. Tranchant 2 euros de plus. Le Séquarium du Gros du Roi, 2 euros de plus. Le Mas de la Comtesse, organisation de soirée camargaise à 2 euros de plus. Les clients artisans boulangers pâtissiers chocolatiers centre commercial Port-Royal à 2 euros de plus. Et monsieur Lucien Toupi, adjoint en tradition taurine du Gros du Roi, porte le produit de la 110 euros. Arrête de laisser traîner des jambes partout, toi. McDonald's, route de l'Espiguette au Gros du Roi, 2 euros de plus. Le premier pour le réalisateur Youssef Zekraoui à 112 euros. Le second là à 5 euros. De course, la direction des arènes du Gros du Roi qui vous attend dimanche pour la finale du Trophée de la Mer avec Joachim Cadena et Zico Katif, porte le deuxième gland à 130 euros. Comme moi,
S'il vous plaît. Excusez-moi. Merci.